Que s'est-il passé? Votre frère. Qu'a-t-il encore fait cette fois? Les journaux n'en ont que pour le meurtre de Toupenny. Et, comme si ça ne suffisait pas, quelqu'un a volé les plaques de la planche à billets. Est-ce aussi du fait de Jacob? Ça m'étonnerait. Les gens se méfient des banques. Et de la monnaie, les prix vont grimper. Il y aura des émeutes. Les usines partiront en Amérique, où la main-d'œuvre est moins chère. En un mot, le déclin de l'Angleterre. Jacob, tu t'es vraiment surpassé cette fois. Attendez. Et si j'allais remettre les plaques à la banque? Eh bien, ça nous aiderait. Mieux encore, cela mettrait un terme aux rumeurs sur le meurtre de Toupenny. Et la confiance dans l'économie serait rétablie. Comptez sur moi. L'Angleterre échappera au chaos. Oh, et si cela ne vous gêne pas, pourriez-vous détruire tous les faux billets que vous trouverez avant qu'ils ne soient mis en circulation? Bien sûr. C'est gentil de venir nous prêter ma porte. No more exportation! No more. Suivez-moi. La fausse monnaie est écoulée toute près d'ici. Enfin, si l'on peut parler de fausse monnaie. Avec ces plaques, il est quasi impossible de distinguer les vrais billets des faux. Monsieur Aberlin, si ces billets circulent, enfin, vous êtes déjà au courant. Quand les gens n'ont plus confiance dans leur monnaie, il y a déjà eu des émeutes. Monsieur Aberlin. J'ai entièrement confiance en vous, Miss Mike. Je ne tiens pas à me faire voler en allant au chariot. Les faux monnayeurs. T'as entendu parler de cette émeute à la banque? Ils peuvent s'agiter tant qu'ils veulent. On ne rendra pas ces plaques. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas comme si c'était du véritable argent. Depuis qu'on a les plaques d'imprimerie, c'est du véritable argent. T'as entendu cette foule? On dirait que Londres tout entier se rebelle. N'a rien à voir avec nous. Quand je pense que Jacob a réussi à mettre en péril toute l'économie, Père avait raison. Il agit sans réfléchir et sans aucun remords. Très bien. Allons-y. Bonne fille. Ne vous endormez pas. N'importe qui peut essayer d'entrer. Oui, monsieur. Gardez bien cet endroit sous clé. Oui, monsieur. Montez la garde. Comme s'il s'agissait de la bombe. À vos ordres, monsieur.
tiens. J'ai bien envie de te ramener et de te jeter au Inutile de s'acharner. Au revoir, miss. Pourtant, j'ai pas rêvé. Il ne me reste plus qu'à les remettre à la banque.
Voilà. Elles sont de retour à leur place. Les journaux racontent qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Plus d'émeutes. La confiance dans les banques est revenue. Je vais pouvoir passer une nuit tranquille. Miss Fry, je ne vous remercierai jamais assez. Ravi que nous ayons évité la catastrophe, sergent. Mais c'est plutôt Jacob qui devrait me remercier. Je serai là-bas, tu regretteras d'être né.